Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur cette vidéo pour l'ouverture d'un courrier que j'ai reçu de Catherine S, qui est du département de... Je ne sais pas, je suis désolée, c'est... Excuse-moi, Catherine. Donc, et tous ceux qui sont de ton pays, vous êtes de Belgique. Et l'adresse, eh bien, ma foi, je dirais que tu es de la ville de Abbeville, mais je ne peux pas dire le département. Je ne sais pas comment vous êtes peut-être en province. Voilà. Donc, Catherine m'a envoyé ceci parce que sur le groupe qui s'appelle Nous scrapons, nous aidons, j'ai participé à un échange de Memory Decks. J'ai envoyé ma Memory Decks avec des découpes, des tamponnages, une ou deux ATC. Et j'ai deux, trois petites choses avec, des scraps bidules. Et je n'ai pas reçu de retour. Alors qu'au départ, c'était bien un échange. Mon binôme s'est pas volatilisé parce que de temps en temps elle donne de ses nouvelles. Je t'envoie à telle date, je t'envoie, je suis désolée, je ne peux pas avant. Et malheureusement, je n'ai toujours pas reçu. Donc je ne sais pas trop si son courrier s'est perdu ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que Catherine S, qui est sur le groupe, m'a contactée pour me dire qu'elle m'enverrait, elle, une Memory Dex. Parce qu'elle trouvait désolant que je n'ai pas reçu mon retour. Donc voilà. Donc je vais ouvrir son enveloppe. Donc, je l'ai décacheté. Je fais attention parce qu'il y a son adresse derrière. Donc il y a de magnifiques timbres que je récupérerai. L'enveloppe également pour mes prochains junk. Et elle avait envoyé ça en suivi pour être sûre que la poste ne perde pas. Donc nous avons un magnifique livret avec les lettres de mon prénom. Donc voilà, fermé par un beau ruban sur une base noire et un papier Vichy bleu. Donc quand on ouvre, oh, c'est chargé. Je commence par ouf. Donc la première pochette, tout simplement. Nous avons une Memory Dex avec ça fait un peu style vintage, on va dire, avec un fond de papier musical, des strass, un cœur en bois, avec le dessus du papier déchiré et encore du papier musical déchiré, posé en troisième couche. Vous avez une, deux, trois couches. Ensuite, ça a été découpé avec le dies de Memory Dex. Et dessus, il y a une découpe de dames habillées comme autrefois, on va dire, avec une petite ombrelle qui a été collée après l'avoir vieillie avec une encre certainement vintage parce que ça y ressemble en tout cas. La Memory Dex, donc c'est Catherine S de Belgique. Son pseudo Facebook, c'est Catherine Henri Marie. Elle aime les chats, le monde fantastique et bien d'autres choses. Et elle n'aime pas trop le scrap européen. Donc voilà. Elle est splendide, ta Memory Dex. Donc l'échange au départ n'était pas avec toi, mais je vais essayer d'ici quelques temps. J'essaie dans... Pas cette semaine, ça c'est sûr, mais certainement début décembre. Je vais te faire un envoi également pour te remercier. Donc nous avons une deuxième Memory Dex. Avec un fond blanc, avec un oiseau, enfin là c'est comment dire, un embossage à froid et une découpe d'oiseau. Et derrière, elle a mis du papier bleu pour qu'il ressorte bien. Sur l'intérieur des certaines fleurs, elle a mis des strass roses. Et donc nous avons exactement les mêmes renseignements derrière, puisque c'est une Memory Dex. Elle est superbe également. J'adore cet embossage à froid et superbe. Ensuite, nous avons une carte. Elle me dit: coucou, voici mon envoi en remplacement de celui de J'espère que cela te plaît. Bon scrap, signé Catherine. Donc elle a fait sur un fond blanc
de la patrouille rose et elle a tamponné. Il est superbe ce tamponnage. Un monsieur avec une grande barbe et des chiffres derrière, comme si c'était un scientifique qui essayait de résoudre sur un tableau qu'il a écrit une bonne ligne de comment dire d'équation écrite en allemand. Donc voilà, elle est superbe cette carte. Merci beaucoup. Donc ensuite, nous avons une pochette avec des embellissements maison. Donc sur du papier carton ondulé. Elle a posé différentes découpes. Donc les cartons, il y a des formes rondes. Hein, vous le voyez les formes. Hein. Là, il y a une petite grenouille. Elle est trop trop belle, cette petite grenouille. Je sais déjà ce que je vais en faire. Et à qui je vais l'envoyer. Là, nous avons des oiseaux et un petit nounours. Là, encore un oiseau et encore un oiseau. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Ensuite, ah bah. Alors là, franchement, j'adore. Donc, c'est une lime à ongles. On est d'accord. Donc, voilà, toute simple. Toute mimi quand même avec sa couleur or. Et elle a fait une pochette pour la ranger. Regardez ça. Donc, là, elle a plié avec 5, 1,5 cm. Elle a fait deux plis. Attendez, parce que la poste me l'a un petit peu écrasé. Voilà, donc nous avons 1,5 cm ici de plis. Elle a fait son rabat. Et là, elle a fait ce qui ressemble fort à cette découpe, en fait, avec. Moi, c'est la perforatrice de Chartemio, mais chez Action, ils en ont fait exactement la même. Donc voilà, pour faire les encoches, pour faire les enveloppes et également des pochettes. Et de l'autre côté, vous avez pour faire les coins en rond. Donc voilà. Donc l'idée est superbe. C'est très bien pensé. Donc voilà, j'adore. Sincèrement, et le papier, c'est un papier de chez Action. Alors, je crois qu'il s'appelait Galaxy, le bloc. Donc voilà, avec un petit ruban. Donc tout est magnifique. Je te remercie pour cet envoi que j'adore. Donc il me plaît énormément. Je vais le remettre là où tu l'avais mis pour pas l'abîmer. Je remets ta carte. Je remets pour l'instant tes deux Memory Decks, mais je vais les ranger dans ma boîte à Memory Decks juste après. Donc merci beaucoup. C'est vraiment superbe. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Donc Catherine, c'est vraiment très gentil parce que tu n'étais pas obligée de me faire cet envoi, puisqu'au départ, je n'étais pas en binôme avec toi. Donc je m'engage, je le dis en vidéo, je m'engage à te renvoyer une enveloppe avec une Memory Dex à l'intérieur. Au moins une Memory Dex et d'autres choses, mais je t'en dis pas plus, que tu gardes un peu la surprise, de façon à ce que tu puisses avoir toi aussi un échange pour celui-ci. Parce que sincèrement, tu m'as contacté, mon binôme n'a pas assuré, et toi, ben, donc pour X raisons, hein, je ne veux pas juger, hein, je ne veux pas savoir pourquoi elle n'a pas pu me l'envoyer. Tout ce qui est sûr, c'est que moi, je ne l'ai pas reçu, et que Catherine, elle, d'office, s'est proposée pour m'en faire un autre. Et l'échange par Messenger a été très courtois, très gentil, très sympathique. Vraiment, c'est une personne charmante. Et tu n'étais vraiment pas obligée de le faire et je te remercie énormément. Donc voilà. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez bien sûr activer la petite cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous, j'y répondrai avec énormément de plaisir si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter ou simplement dire bonjour. Donc voilà. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.